métier où tout est imparfait et où tout pousse à la perfection. Il existe une véritable technique, une technique qui est devenue un véritable art qui s'appelle la typographie, qui est mûrie depuis 600 ans et en fait on n'arrive jamais à la perfection typographique, on n'arrive jamais à la perfection éditoriale, de la même manière qu'on n'arrive pas à cette perfection typographique. On n'arrive jamais à faire le livre parfait sur le sujet qu'on voudrait traiter. On n'arrive jamais à faire ce livre parfaitement. Un livre sort toujours avec ses imperfections et ses scories. Et le contentement, il dure quelquefois une demi-minute quand le livre sort des presses. Et puis ensuite, on s'aperçoit déjà des coquilles qu'il y a dedans. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre les lettres d'engueulade de l'auteur. Il nous a engueulé quand le bouquin ne sortait pas. Donc maintenant que le bouquin est sorti, il devrait nous engueuler parce qu'il est mal sorti. Maspero, c'est quelqu'un pour qui les mots ont un sens. Ça paraît bizarre à dire d'un éditeur, mais c'est ça. Les mots ont un sens, les livres ont un sens. Peut-être aussi, il y a cette espèce d'acte magique qui consiste à penser que quand on s'approprie un livre, soit en l'achetant, soit en le volant, on va du même coup s'approprier ce qu'il y a dans le livre, dans le contenu du livre, et qu'on n'a même pas besoin de le lire. Il y a déjà un acte magique qui a fait que le seul fait d'attraper le bouquin, ça y est, on le met dans sa bibliothèque, et on est déjà un peu possesseur du savoir qui est dans le livre. Ça, je suis sûr que ça joue chez beaucoup. Et alors, le fait de le voler, ça donne une espèce de violence à la chose qui fait qu'on va se l'approprier deux fois plus. Il y a une catégorie d'individus qui pensent que c'est mieux de voler chez Maspero parce que Maspero se fait du fric avec la Révolution, que donc c'est révolutionnaire de récupérer le fric que Maspero se fait avec la Révolution. Et là, je pense vraiment d'ailleurs que les trois quarts ou 99% des types qui font ça sont des types pour qui la Révolution, ça consiste à voler les livres chez Maspero. Des mots qu'il n'aime pas, par exemple, c'est les adjectifs. Surtout ceux qu'on lui colle à la peau. Éditeur courageux, éditeur maudit, ça, il déteste. Quand on a eu quelques ennuis, comme on en a toujours d'ailleurs, cela à propos de l'arbitrie continentale qui a été interdite et puis que j'ai eu, je sais pas, toute une tonne de procès plus folkloriques les uns que les autres, y a des gens qui très gentiment nous ont envoyé de l'argent en disant voilà, ça c'est pour que vous puissiez continuer le travail que vous faites, parce que les procès doivent vous coûter très cher, vous avez été condamné à 1 million d'amendes par-ci, à 1 800 000 francs d'amendes par-là. Mais enfin, on voudrait trouver la moyenne mesure entre ces gens qui, tout à fait spontanément et qu'on ne connaît pas, nous envoient du fric, et puis les gens qui, au contraire, passent leur temps à dire qu'il faut en récupérer sur nous parce qu'on est des salauds. La moyenne mesure, c'est tous ceux pour qui le phénomène Maspero est unique, indispensable. Plus important pour l'édition française que tous les pourvoyeurs de prix littéraires. Mais si vous lui dites ça, vous allez vous faire foudroyer d'un œil bleu qui devient noir, assorti d'un « c'est bientôt fini », non ? Je pense pas que les bouquins que je publie soient bons. Ça serait formidable si on publiait des bons bouquins. Je pense qu'on procède par tâtonnement. Si je publiais des bons bouquins, je ne serais pas du tout l'éditeur que je suis. Je serais un institut d'études marxistes qui définirait tous les concepts scientifiquement et théoriquement et qui, une fois les concepts définis, les utiliserait dans des livres qui seraient une perfection. Une telle perfection que je te dis qu'il n'y aurait plus qu'à sortir le livre pour que la révolution soit faite. Ce serait merveilleux. Bon, bah, il se trouve qu'effectivement, petit à petit, on publie par tâtonnement des mauvais bouquins, des bons bouquins, des moins bons, bon, et puis des très mauvais bouquins de temps en temps. On fait une gaffe monumentale. J'en ai publié, je ne vais pas les citer à la télévision, ce ne serait pas gentil pour les auteurs, mais j'ai publié des bouquins qui sont des erreurs totales, qui sont des erreurs politiques, qui sont des erreurs simplement sur le plan
de la forme, qui sont tellement mal écrits que ça me donne la nausée. Bon, ça, je crois que c'est impossible de faire autrement. Sans ça, j'aurais pas commencé à publier. Et c'est comme ça, on se trompe. Le choix, il repose sur la nécessité de publier des textes sur des sujets précis. Il est évident que là, je viens de publier deux livres sur la Réunion, un qui s'appelle « La Réunion département français » et l'autre qui s'appelle « La Réunion colonie française ». Bon, une fois qu'il a été dit dans ces deux livres les conditions d'exploitation dans lesquelles vit le petit peuple réunionnais et le scandale que constitue une colonie de type classique en l'année 1969, à quel point la France est rétrograde quand elle garde cette colonie de type classique, je ne peux pas publier un troisième livre sur la Réunion, et si on m'apporte un chef-d'œuvre sur la Réunion le mois prochain, mais je ne le publierai pas. Ça, ce n'est pas de l'autocensure, c'est du bon sens. Un éditeur, ça se définit par son catalogue. Mais encore y a-t-il le catalogue des livres qu'il a sortis, et puis il y a le catalogue, en tout cas pour moi, beaucoup plus important des livres que je n'ai pas sortis. Et je suis très fier de voir quel état de bouquin que j'ai pas sorti. Et un troisième catalogue qu'on pourrait faire, c'est le catalogue des livres qu'on a fait paraître chez d'autres éditeurs par sa seule existence. Il serait aussi très très important. Je suis très content de voir paraître des tas de bouquins qui n'auraient pas été publiés si je n'étais pas existé. Parce que ça veut simplement, il y a des éditeurs qui les publient uniquement parce que soit j'ai lancé ce style de publication, soit ils ne veulent pas que ça soit publié chez moi. Alors ça, c'est très chouette aussi. Puis il y a des moments aussi où ils n'ont pas besoin de nous pour publier. En mai, par exemple, cette ruée des éditeurs a été quelque chose d'absolument obscène, quoi. Ils se sont tous rués sur les événements de mai parce qu'ils ont vu qu'il y avait 100 000 personnes, plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue, et que du moment qu'il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes, ça voulait dire plusieurs centaines de milliers d'acheteurs de bouquins. Alors ils se sont mis à publier comme des cochons. Et ça, je veux dire, c'était assez écœurant. Bon, enfin, moi, je veux dire que nous, on n'a pratiquement pas sorti de livres sur mai, sauf sur les grèves dans les usines. Les grèves qui se sont passées à Cléron ou à Flins, ou même à Saclay, sur lesquelles on a publié des bouquins, ça, c'était important de sortir. Finalement, la plupart des livres qui sont sortis sur mai, c'était une espèce d'éternelle autoglorification du mouvement étudiant. C'est formidable ce que nous avons fait, c'est formidable, on était sur les barricades, etc. Pas tellement de choses constructives du point de vue des luttes à venir. Et Dieu sait que les luttes à venir, il y en a. Les luttes révolutionnaires, il y en a plein les journaux. Mais tout ce qu'on en sait, c'est 9 fois sur 10 par définition d'un point de vue non révolutionnaire. Alors même au nom de la sacro-sainte liberté d'information, le rôle de Maspero est irremplaçable. Savoir réellement ce qu'il y a dans la tête d'un révolutionnaire cubain ou d'un militant noir américain. Quand les négociateurs d'Evian ont été rencontrés le FLN, ils ne savaient pas qui c'était le FLN. Maspero avait publié le livre de Mandouze, La révolution algérienne par les textes. Ça a été le livre de référence des négociateurs d'Evian. Et l'Algérie, c'était un phénomène immédiatement visible, mais derrière, il y avait toute la lutte contre l'impérialisme. Et puis ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres luttes, enfin, ne serait-ce que la lutte contre le stalinisme. Et ça s'est développé extrêmement rapidement parce que vraiment on avait besoin d'instruments dans ce domaine. Et si je suis entré dans la librairie, c'est bien parce que justement, elle a joué pour moi pendant la guerre d'Algérie ce rôle d'information. C'est là où on pouvait trouver le livre d'Alleg, parce que même s'il était interdit, là, on savait qu'on pouvait le trouver. Maintenant, c'est la tricontinentale qui est interdite, mais la situation n'est plus la même. Et les gens qui travaillent à la librairie se posent des questions. Je crois donc que la librairie ne peut plus être militante dans la situation où nous sommes, et ce n'est pas le fait, par exemple, que M. Marcelin fasse une question personnelle de la tricontinentale qui peut y changer quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus une librairie militante. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de mot d'ordre, parce qu'on ne représente pas un parti, parce qu'on a différentes opinions. À ce moment-là, on est une librairie d'information. Maspero a deux librairies, dans la rue Saint-Séverin, au quartier latin à Paris. Ces librairies, les journaux d'extrême droite en donnent périodiquement des descriptions incroyables. Le repère d'anarchistes à bombe, style 1905, l'opéra de Katsu, joué par le Bolchoï. En fait, les seules bombes jusqu'à présent, c'était celles de l'OAS. Alors, qu'est-ce qui frappe ? C'est d'une part le sérieux avec lequel la plupart des gens regardent les livres, touchent les livres.
Et puis ce phénomène assez rare d'une librairie politique, où le choix implique la connaissance de tous les courants révolutionnaires plutôt que leur filtrage ou leur censure. Ni censure politique, ni censure poétique. Marx voisine avec Michaud et le Che Guevara avec Giraudoux. Ben, Giraudoux. Non, Giraudoux, je pense que... Peut-être que je ne suis certainement pas marxiste en le disant, mais d'ailleurs, j'ai jamais eu la prétention d'être marxiste dans la mesure où je crois qu'il faut être très très savant pour être marxiste, ou bien alors il faut être le véritable prolétaire qui n'a pas besoin d'être savant pour savoir contre quoi il lutte et pourquoi il lutte. Mais pour ce qui est de Giraudoux, c'est simple. Giraudoux a su expliquer notre vie quotidienne et donner des images de notre vie quotidienne que nul autre n'a su donner, et ben utilisons-le. Tant pis si c'est un bourgeois, on s'en fout. Personnellement, il ne me paraît pas contradictoire de mettre côte à côte et en même temps, c'est pas le musée, c'est pas le mythe de l'objectivité, de la neutralité de la culture. Tout ça a un sens. Maspero publie des livres de poésie. La peau de taureau d'esprit, ou qui est aussi une œuvre de combat. Le combat de la langue catalane contre l'oppression franquiste. C'est le même combat. Un combat dont le sens apparaît plus clairement lorsqu'on touche au problème du tiers-monde. Et c'est par là qu'information et militantisme se rejoignent. En ce qui nous concerne, je crois que nous sommes malgré tout des militants, en ce sens que, disons, notre pratique se réfère toujours à un contexte global, soit au niveau de la lutte de classe, de la lutte anti-impérialiste, etc. Si on n'a pas cette vision globale, ben on en crèvera très rapidement, parce que la société nouvelle en France, quand le monde crève de faim dans le monde entier, ben elle ne tiendra pas le coup longtemps, la société nouvelle. Il y aura un jour où notre essence du Moyen-Orient n'arrivera plus, et notre jus pour faire le Coca-Cola, il n'arrivera plus non plus. Et à ce moment-là, ben, on en crèvera tous. Ça, c'est une espèce de déclaration de principe, si on veut, mais c'est très relié, effectivement, au bouquin que je publie, où justement, je crois que les auteurs, dans beaucoup des bouquins que je publie, les auteurs insistent beaucoup sur ce fait qu'il n'existe d'économie que mondiale, et qu'il n'existe développement de l'économie que mondial, et qu'à l'heure actuelle, le développement de l'économie est inégal. Je viens de publier un livre d'un économiste qui s'appelle Emmanuel, qui s'appelle « L'échange inégal », et qui justement montre qu'à quel point les termes des échanges économiques entre le tiers-monde et les pays industrialisés sont inégaux et sont en faveur des pays industrialisés, à quel point... Contrairement à ce qu'on pense, ils appauvrissent les pays du tiers-monde et les appauvrissent de plus en plus. Et ceci ne peut se traduire finalement que par un déséquilibre qui ne peut aboutir que par une crise. Et cette crise, tout le monde risque d'y passer. Et c'est pour ça qu'en fait, ça n'a rien d'altruiste comme raisonnement. C'est un raisonnement qui se fonde effectivement sur le marxisme. Le marxisme n'a jamais été une doctrine altruiste. C'est une science comme une autre. C'était pas d'ailleurs l'information, c'est un peu la contre-information, puisqu'on est baigné toute la journée dans ce qu'on appelle l'information. C'est-à-dire que il est peut-être un peu puéril d'ailleurs de penser qu'on peut lutter par quelques dizaines de milliers d'exemplaires ou par quelques milliers d'exemplaires contre une espèce d'inondation à plusieurs millions d'exemplaires de la presse quotidienne, hebdomadaire, de la radio, de la télévision. Mais d'abord, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont déjà sensibilisés et qui attendent qu'on leur apporte ce dont ils ont besoin dans leur travail. Et que ce sont ces gens-là ensuite qui se servent des éléments qu'on leur a apportés et qui peuvent en sensibiliser d'autres. Enfin, c'est un travail extrêmement long et assez complexe. C'est-à-dire, il peut y avoir un type qui s'appelle par exemple Burchette et qui, au Vietnam, écrit ce qu'il voit, ce à quoi il participe. Alors ça s'appelle « Un œil sous les bombes » ou « Pourquoi le Vietcong gagne ?» Et à ce bout-là de la chaîne, il y a... avec Burchette, tous les gens qui font le Vietnam, qui mènent la guerre au Vietnam.
et Burchett qui explique ce qu'ils font, et puis à l'autre bout de la chaîne, il y a les gens qui lisent, qui prennent conscience à cause de lui, grâce à lui, de ce qui peut se passer au Vietnam, de la manière dont la lutte est menée au Vietnam, et qui peuvent à leur tour profiter de cette expérience ou faire profiter de cette expérience dans leur propre action. Au milieu de cette chaîne, on intervient un peu d'une manière tout à fait occasionnelle. C'est à ce moment-là que se trouve l'éditeur qui, lui, a une autre petite chaîne qui consiste à un bout à fabriquer les livres et à l'autre bout d'en faire des produits que les gens achèteront et qui liront. Et en fait, l'éditeur se trouve au point de jonction de ces deux chaînes d'une manière finalement assez fortuite. Simplement, il met en forme, il est une espèce d'écho. Évidemment, tout le problème réside dans la forme d'écho qu'on veut être. Certains qui se veulent des révolutionnaires authentiques et sans concession considèrent que publier des livres dans le cadre de la société capitaliste, c'est en fait faire le jeu de cette société capitaliste et lui donner la possibilité d'encore se prolonger. Mais je pense que le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui est récupéré dans cette histoire, qu'est-ce qui est utilisé. Il faut prendre des exemples concrets, c'est-à-dire je vais publier un livre, par exemple, sur les travailleurs immigrés en France, de Bernard Grenotier, qui est un livre qui, pour la première fois, étudie dans son ensemble la condition des 3 millions de travailleurs, conditions qui vivent en France, conditions dont on sait dès l'abord qu'elle est catastrophique, qu'elle est, disons, monstrueuse, qu'elle est le produit de la société capitaliste, parce qu'en fait, ils sont cette armée de prolétariat absolument surexploité dont a besoin la société capitaliste pour faire cette nouvelle société dont parle M. Chaban-Delmas. Et est-ce qu'il est plus important, qu'est-ce qui est le plus important dans l'histoire, que ce livre soit publié sous cette forme et aille dans toutes les librairies et soit transformé en produit de consommation, ou que ce livre apporte à ceux qui sont sensibilisés au problème et à ceux qui peuvent être sensibilisés par la suite au problème, enfin des éléments d'information politique et des raisonnements politiques cohérents sur le problème. C'est une contradiction continuelle, ça je suis parfaitement d'accord. Le problème, c'est d'être conscient de cette contradiction et d'essayer au jour le jour et tout en en étant conscient de ne pas aller de freiner toujours cette intégration et de ne pas aller dans le sens de la récupération. Je crois que si on en est conscient et si les gens avec qui on travaille en sont conscients, on doit pouvoir limiter les dégâts au maximum. L'essentiel, c'est d'être conscient que éternellement récupéré par la bourgeoisie, on la trahira éternellement, immédiatement, dans le même instant. Enfin, l'essentiel, c'est cette notion qui est une notion de nisant et qui est pour moi capitale, c'est que dans la lutte contre le capitalisme, l'essentiel, c'est éternellement de trahir la bourgeoisie en employant, si c'est possible, ses propres armes, et là, il s'agit de la culture bourgeoise, et de la mettre à la disposition de ceux qui luttent contre elle. Mais la notion de trahison de la bourgeoisie est la notion la plus importante. Moi, je suis un bourgeois qui trahit la bourgeoisie et qui lutte toujours pour la trahir et pour la trahir mieux.